aussi pour que le Seigneur yani, éclaire les esprits des personnes qui font le mal chez nous. Que le Seigneur les illumine pour vraiment sentir avec les gens, avec tous le peuple qui souffre sans cesse. Il y a des familles qui dorment dans la peur, qui se réveillent dans la peur pour leurs enfants, pour les écoles. Yani. Est-ce qu'ils envoient leurs enfants à l'école ou pas? Ils vivent une vie très très dure, très dure. Et personne ne sent ce que les familles vivent ici, ce que les gens vivent. Espérons que notre voix arrive là où il faut faire quelque chose. Nous, on ne peut rien faire.